L'arrivée d'île Sullivan, là aussi, le Covid a freiné quelques enthousiasmes. Seules deux communes ont pu continuer sans embâge, Borobora et Taputapu-Watea, depuis le 23 juin. Avira a rejoint la grande roue de la fortune avec ses baraques, les fameux Faretivrei, presque une vingtaine, succès garanti pour la municipalité, étant la seule de l'île sacrée à le proposer. Le Heiva s'est installé cette année dans la commune de Taputapu-Watea. Écoutez Luciana Sommers, présidente de Heiva, très heureuse de ce retour en France. Ils sont 11 forêts, mais sinon, ben, nous avons 16 forêts, plus deux petits forêts là-bas pour tout ce qui est loterie, voilà. Ça fait en tout 18, quand ça a été annoncé, qu'on allait lever, on va dire, les restrictions. Donc, tout le monde a voulu que l'on fasse quelque chose sur Eatea, un événement, et ben, c'était bien tombé. Taputapu-Watea était prêt. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.